très chers téléspectateurs, la poétesse Katia Brier, votre émission Tous Azimuts littéraire. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Poétesse Katia Brier vous déclame. Aujourd'hui, je reçois pour vous, juste avant de commencer, je vous rappelle qu'on est en direct sur Clin d'œil Télévision pour vous faire découvrir le restaurant Najma Katia Brier à la Gare du Nord. Vous avez fait des travaux, vous avez fait beaucoup de travaux. Alors, monsieur Van, comme vous le voyez, nous étions fermés pendant... je vais diminuer un peu la musique, si cela ne vous dérange pas, voilà. Alors, nous étions fermés pendant 2 mois pour les travaux qui m'ont été imposés par la préfecture. Comme vous le voyez, ils m'ont dit de mettre les choses en... le restaurant aux normes, on a eu à mettre le plan, on a eu à mettre tout ça pour la sécurité. Et partout, on a eu à mettre des... voilà, comme vous le voyez, partout. Et on a eu à mettre l'isolation. On a eu à grandir les escaliers à 90 cm, comme vous le voyez par rapport à avant. Voilà, tout a changé, le bar et même au sous-sol. Voilà, on a eu à mettre l'isolation. J'avais un voisin qui m'emmerdait tout le temps. Et les travaux m'ont coûté beaucoup, beaucoup cher. Hein. Et il y a eu même les gens d'acoustique qui sont venus. Au total, j'ai dépensé 15 000 euros pour les plafonds, sans compter l'agrandissement des escaliers, qui m'a coûté 12 000 euros. Et voilà, tout a eu à changer. On a eu à mettre les normes. Vous pouvez descendre aussi. On a mis les coupe-feu. Voilà. Voilà, comme vous le voyez, l'escalier est devenu grand. Hein. Voilà. Donc, on a une autre salle. Regardez même les lumières, il n'y en avait pas trop, on a tout mis. Alors, là, ça c'est notre réserve. Avec des vestiaires. On a tout, on a tout, on a les gardes là où on garde tout, on a là où on garde nos balais aussi. Il faut montrer, hein, c'est en plein travaux. Et on a sorti de secours qu'on nous a dit de faire aussi. Hein. Donc on a fait les sorties de faux. Avec des inspecteurs dans chaque salle. Voilà, on a repeint encore la peinture à rouge. Et je vais vous amener aussi, même dans les toilettes, tout au nom, je vous amène dans la cuisine. Bon. Là, il y a le cuisinier qui n'a pas... Vous allez voir comment ça y est. Ça nous a coûté plus de 22 000 euros pour faire les travaux. De la cuisine. Voilà. Voilà, on a eu aussi à faire... On a eu à faire... Monsieur Vern, il faut tout détailler. Hein. Tout aux normes ici, les toilettes. Tout aux normes, essuie-mains, lave-mains, savon, très propre. Voilà. Voilà. Et on va aller à la cuisine. On a agrandi ici. On a agrandi ici. Il y a toujours l'isolation. Et voilà. Là, on va vers la cuisine. On a eu à mettre les marches pour traverser la cuisine. On a eu à protéger. Bon, là, on a mis les bouteilles. Ça va partir, hein, comme ça. Et derrière les portes, tout est protégé, là. Bon, vous voyez ma cuisine. Bon, il y a des casiers tout en inox ici, là. Hein? Regardez. Frigo positif, négatif, micro-ondes. Ça, c'est les friteuses. Ça, c'est la plaque et les machines à glaçons. Donc, il y a le cuisinier qui va laver les assiettes tout à l'heure. Et on a les lave-mains. Voilà. On a tout, voilà. On a aussi les attrapes moustiques, donc une cuisine très beau avec des marches, des désinfectants, très propre, hein, très très propre. Et prochainement vous allez peut-être encore le filmer sans
sans ça, parce que là, on a vu le cuisinier en train de faire son travail. Voilà, chez la poétesse Natier Briette. Et même les enseignes, si vous voulez aussi. Hein. On voit que vous n'arrêtez pas d'investir. Bon, voilà, comme vous le voyez, il y a des gens ici, comme on dit, qui n'aiment pas que les Noirs travaillent. Hein. Ouais. J'avais fait une vidéo avec vous, M. Verne. J'étais beaucoup embêté par la police du 10e arrondissement qui m'avait visité 12 fois, plus de 12 fois, et convoqué sans cesse. Je ne sais pas de quoi il cherchait. Et même, il y a eu l'Optimo Gestion qui sont venus casser chez moi, voler le congélateur. Et j'ai porté plainte. Et actuellement, que je vous parle, leur UC qui était venu me demande de venir travailler à l'amiable. Ça veut dire faire tout à l'amiable. Ça veut dire qu'ils ont reconnu leur tort. Hein, c'était pas moi qui étais ciblée. Et là, il y a eu fermeture pendant 2 mois. On m'imposait de ces choses que des deux côtés là-bas, on n'impose pas. Et je pense qu'il y a quelque chose de corruption ici en France. Pourquoi je le dis? Parce que je suis entourée de 2 restaurants et jamais ils sont visités comme moi. C'est toujours moi qu'on visite, c'est toujours moi qu'on cible, c'est toujours moi qu'on fait tout. Parce que tout ce qu'on m'a demandé de faire, les désinfectants à côté, il n'y a pas, hein. Il n'y a pas et tout, bah, ils ont voulu bloquer. Et je remercie le bon Dieu parce qu'il y a un nouveau commissaire qui est venu, qui a vu qu'il y avait, bon, je ne sais pas, je ne peux pas commenter, mais j'étais déjà aux normes, mais il y avait quelque chose. Là, je dis qu'il y a la corruption en France, je le dis ouvertement. Il y a la corruption et puis il y a un problème de mafia aussi. Hein, parce que je le dis parce qu'on m'a fait subir des choses. J'ai dépensé. Mais oui, je le sens, M. Verne, j'ai sorti 43 000 euros en moins de 2 mois. Pour les travaux qu'on m'a imposés, regardez, des tapis désinfectants, allez à côté là-bas, si vous allez voir des tapis désinfectants, vous n'allez pas voir les marches, les attrape-mouches. On m'a imposé de ces choses, bon, Dieu merci, on m'a mis aux normes. Mais il y a la corruption, il y a la mafia, il y a comment on appelle ça, on n'aime pas que les Noirs soient patrons, et ça dérange tout le monde, ça dérange. Mais j'insiste sur la corruption en France, dans les restaurants. Hein? Et moi, je suis aux normes côté papier et tout. Ben, là, maintenant, comme je suis aux normes, tout, il y a 3 préfectures qui m'ont écrit. Mais j'ai une question. Ce que vous préférez dépenser beaucoup d'argent au lieu de participer à la corruption? Je préfère dépenser, être à jour. Et là, je remercie encore le fait qu'on m'a dépensé, on m'a fait encore des travaux, je suis à jour. Et j'attendais encore qu'ils viennent me dire que je ne suis pas à jour, ils sont coincés. Voilà, mais Dieu merci, c'est pas la banque. Et j'insiste que c'est pas la banque qui nous a fait donner le crédit. Hein. Hein, c'est nos propres efforts à nous. Et puis c'est des gens, des particuliers de bonne foi qui ont assisté, qui ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est des Noirs qui ont contribué. Et ça veut dire les Noirs se soutiennent contre les Noirs. Mais pas que j'insiste, ben non, il y a quelque chose qui va pas en France. Non. La France n'est plus la France de Charles de Gaulle. Hein. Là où tout était honnête, la France n'est plus la France d'avant. La France, c'est le désordre maintenant, excusez-moi de le dire. La France est un beau pays qui amène tout le monde, mais vu ce que moi j'ai vécu. Et Dieu merci, j'ai vécu ça en tant qu'écrivain, mais je préfère le relater pour que les gens sachent. Hein. Il y a la corruption, il y a la mafia, il y a comment on appelle ça? On n'aime pas que les Noirs travaillent, et surtout lorsqu'on est truc, j'ai vécu ça, en m'emmerdant, les fermetures. Et là, je me suis tenue debout et je suis fière. Je suis vraiment fière, mais il faut dénoncer ça. Et je pense que lorsqu'on fera une émission, il faut dénoncer tout ça. Voilà. Et les gens ailleurs, quoi, ils nous voient comme ça, ils pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il y a vraiment. Non. On n'aime pas que les Noirs soient patrons. J'ai vécu ça, mais attends, je suis en train de vivre ça à l'œil nu. On me ferme tout le temps, jamais les deux là, on ferme. Pourquoi? On vient m'imposer des. C'est un beau pays, quand on voit tout ce que vous avez acheté, vous avez fait beaucoup d'investissements pour pouvoir aider les autres, et puis on peut dire aussi pour investir dans ce pays, c'est quelque chose de bien. Et en plus, j'ai des employés que j'ai déclarés. Hein. J'ai 2 employés, c'est que j'ai déclaré à l'URSSAF. Moi, je cotise. Hein, et ils me dérangent. Et voilà, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai découvert la vérité qu'il y a vraiment une vraie corruption, une vraie mafia dans le domaine du restauration. Et je ne fais pas partie de ça. Je ne fais pas partie. Ils m'ont causé du tort et tout. Donc, je n'accepte pas ça, quoi. Ils n'ont qu'à penser comme ils veulent, mais j'ai vécu ça. Et j'ai tous les papiers, toutes les preuves. Oui. Toutes les preuves, donc celle ou celui qui n'est pas d'accord, voilà, on fait l'émission et on débat. D'accord. Voilà quoi. D'accord. Alors, ce que vous avez vécu, c'est quelque chose de très dur. Mais de très dur, monsieur Verne. Moi, je suis une mère de famille. On me ferme pendant 2 mois. Et en plus, les banques ne donnent pas des crédits. Les travaux qu'on m'imposait, c'est des grands travaux. Il y a certains policiers qui m'ont même dit, oh, d'ailleurs, tu ne pourras pas faire l'isolation. Parce que vous voyez dans le quartier là, tout le commerce, je suis la seule à faire l'isolation. Hein. Alors, vous croyez que les autres commerçants, les voisins, ils ne dérangent pas les voisins? Est-ce qu'on leur a dit de faire l'isolation? Jamais.
Regardez tous les commerces de la rue d'Alsace. Je suis la seule à faire l'isolation. Et ça m'a coûté beaucoup d'argent. Qui va me rembourser? Personne. Ça part dans l'eau. Hein? Et là, je ne dois pas parler. Hein? Et on m'impose beaucoup de choses. Et il y a même de ces policiers qui me disaient, pas que je suis contre la police, hein. Je dis, c'est pas tous les policiers qui sont mauvais. Hein. Il y a policiers, il y a des policiers vraiment, bon, je sais pas, mais Dieu il voit tout. Il y a beaucoup là avec le changement du pouvoir, là, beaucoup vont quitter. Je souhaite que ceux qui en mettent l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Hein. Les corrupteurs là, ils n'ont qu'à tous les dégager parce que faire souffrir les gens qui veulent travailler, qu'ils recrutent, qu'ils dépensent, ça sert à rien du tout. Ils m'ont trop causé du tort et là ils me guettent là. Vous vous rendez compte, le premier jour que j'ouvre l'inauguration, aujourd'hui ça fait 7 jours que j'ai ouvert. Le premier jour que j'ai ouvert, ils m'ont envoyé un indic. Hein? Ils m'ont envoyé un indic, une femme qui habite là-haut là, une voisine là. Elle est... Moi j'étais pas là parce que moi mon mari part à 17h, moi j'étais avec l'enfant. Un indic est venu vers 23h30. Elle vient, elle rentre tout sous parce que dans la formation tu peux pas servir les gens qui sont sous. Elle rentre tout sous, elle commence à filmer les gens. Hein, elle prend son pied, met sur la table, elle filme les gens. Et en plus, il y avait trois gens qui habitent dans mon immeuble là, qui l'attendaient dehors. C'était un coup monté. Et la police était de l'autre côté là-bas. Là. Hein? Et donc, elle est venue, elle fait le désordre, elle veut qu'on la serre, elle provoque tout le monde. Et on l'a dit de sortir dehors, elle crie, elle fait seulement, oh, je sais pas quoi là. Et les trois autres gens qui habitent au haut du 41 de la rue d'Alsace, je dis bien. Et ils sont sortis, ils ont appelé la police. La police n'a même pas fait 2 minutes. Et la police vient, au lieu de parler à cette dame-là, il parle, il demande j'ai un faux cabis. Il y a un qui a dit j'ai un faux cabis. Il y a un qui a dit demandez vos pièces d'identité. Mon mari a refusé de la pièce d'identité. Ils ont dit vous avez déjà tous les papiers. Alors, au lieu de s'en prendre, de parler à cette dame, mais alors, il y a un client qui est parti dire à la police mais votre indique que vous avez envoyé, elle est nulle. Il faut changer. Et la police s'est mise à rire. Et il y a un policier qui a insulté mon client, tu es macaque. Alors que dans le groupe, il y avait un entier. Alors, c'est quoi ça le problème? Dans le groupe de la police, il y a un entier. Et vous un entier, c'est un noir aussi, hein, c'est pas un blanc. Et vous insultez mon client, un macaque. Et mon client a dit au policier, là, mais c'est pas moi que vous insultez votre collègue policier, là, qui est noir, c'est lui le macaque. Mais regardez les choses qui se passent en France, là. Et le premier jour, ils ont voulu me créer des problèmes. Et même un jour, je suis en train de sortir la poubelle à minuit, j'ai appelé un camion à minuit, et je vois la police qui rentre, qui vient voir qu'est-ce qui se passe. Mais la police est là pour protéger les gens, la police n'est pas là pour sauver les commerces des gens. Hein? Et ils me ciblent à l'œil nu comme ça. Là. Oh là là là, mon souhait que Dieu m'entende parler là. Je souhaiterais qu'on puisse mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, au commissariat du 10e arrondissement, parce qu'il y a trop de choses qui ne sont pas claires dans le 10e arrondissement de Paris. Et je salue le nouveau inspecteur du 10e arrondissement, le nouveau inspecteur du service d'hygiène qui vient d'arriver. Hein? Je pense qu'il y aura de l'ordre qui va rentrer. Et je souhaite aussi qu'on change des gens au commissariat du 10e arrondissement, dans le service qui s'occupe du restaurant, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je souhaite que la police des polices fasse l'enquête. Parce qu'il y a trop, il y a trop la corruption dans ce monde-là. Moi, je ne suis pas là. Hein? Je ne suis pas là. Ils m'ont causé du tort. Et là, en écoutant ça, ils vont encore me causer du tort. Et je les attends. Il y a mon avocat qui est là. Et ils croyaient que j'étais une femme pigeon qu'on va manipuler et tout. Voilà, c'est une noire qui est là, c'est une négresse qui est là. On va la déranger, elle va partir. Ah, jamais, hein. Ah, jamais. Quand je sens la façon que vous parlez. Mais je suis en colère, monsieur Verne. Est-ce que vous allez écrire dans un livre? Mais monsieur Verne, ça viendra. Là, je viens à peine. Ça fait 7 jours, une semaine seulement que j'ai ouvert. Vous voyez même vous-même comment ça fait une semaine que j'ai ouvert. Mais oui. Mais j'écrirai un livre. Mais pourquoi pas? Mais il faut que tout le monde sache ce qui se passe. Et Dieu merci que je suis venu tomber dans ce truc. Ça veut dire des choses là. Il y a des gens qui ont vécu ça. Mais chaque chose à son temps, Dieu envoie les gens. Donc je suis la dernière qui est venue leur dire stop là. Ah oui, c'est bon, hein. C'est bon là. Et même, non, il y a de ces choses, il faut dire. C'est pas fini, monsieur Variable. Ça, c'est n'est qu'un début du dérangement. Moi, je crois que je vais être la cible de beaucoup de gens, mais Dieu me protège. J'avais dit toujours, je n'ai pas peur d'une personne, je n'ai pas peur des policiers, je n'ai pas peur d'un être humain. J'ai peur que de Dieu. Hein? Il faut être sincère dans la vie, il faut être honnête, il faut marcher dans la droiture. Moi, je ne marche pas boiteux comme ça là. Vous voyez? C'est vrai. Mais c'est vrai, là lorsqu'on voit. Et en plus, tous les gens qui sont en haut, là, s'en prennent toujours contre moi. Qu'est-ce que je leur ai fait? Je leur ai fait. Moi, je paye, on déclare les impôts, on fait tout. Et en plus, je recrute, moi, je cotise ici dans le 10e arrondissement. Et ce sont eux qui m'ont fortifié encore de rester, de faire beaucoup de choses. Mais je vais leur prouver que je ne suis pas la cible qu'ils attendaient. Hein. Hein? Mais ça, en tout cas, M. Vergne, j'insiste sur ça. Il y aura bientôt des élections. Mon souhait, ce sera de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans le 10e arrondissement, qu'on puisse balayer les corrupteurs là, dans tous les gens qui sont là, que ce soit les services, qu'on balaye tout le monde qui font la corruption là.
Hein? Et on les paye, on les paye, on les paye. Et ils sont là à déranger tout le monde. Pourquoi ils font ça? Et ils veulent que, ça, c'est pas des choses à parler, mais je le parle maintenant, là. Parce que j'en ai marre. Ils m'ont trop causé du tort, là. Alors, vous voyez que c'est vrai, François Moulin, il s'est désisté, il va pas se présenter. Mais oui, lui va pas se présenter. Je sais pas, bon, c'est son choix. Mais moi, je souhaiterais que le nouveau président qui va venir, qu'il puisse mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans tous les services. Bien sûr. Ah ben oui, qu'il puisse avoir la clarté. Je souhaiterais même que mon message là aille chez lui. Hein, mon message là, je souhaiterais au futur président de France de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans tous les services, que ce soit la police, que ce soit le service d'hygiène, que ce soit pour que tout le monde vive en paix. Parce qu'il y a trop la corruption, il y a trop la mafia, il y a trop comment on appelle ça, le problème de comment on appelle ça, les noirs là, comment on appelle. Je dis, on n'aime pas que les noirs travaillent, voilà. Vous sentez ça, vous avez vécu ça, est-ce que vous sentez ça? J'ai vécu ça et je le parle à haut et fort parce que j'ai vécu ça. Et j'ai des preuves. Ah bon? Mais j'ai des preuves, j'ai tous les courriers de la préfecture qui m'ont écrit là. Ouais. Hein? Et j'ai des témoins en plus. D'accord. Et d'ailleurs, toutes mes vidéos, je le fais toujours avec appui, comme vous le voyez. Une dernière question, c'est vrai. Quand vous dites ça, vous avez des preuves, vous avez des appuis, tout ça. Mais j'ai des témoins. Est-ce que vous n'avez pas peur pour votre vie? Monsieur Verne, c'est Dieu qui me protège. Hein? De toutes les façons, c'est public. Hein? Quoi qu'il m'arrive, tôt ou tard, on saura que la poétesse Satya Brouillet avait dit quelque chose. Oui. Vous n'avez pas vu le martyr Luther King? C'était pour libérer le peuple noir. Ouais, ouais. Mais alors, pourquoi je dois avoir peur de quelque chose? Moi, c'est Dieu qui me protège. Ils sont là à nuire à ma vie, à ma famille. Moi, je suis mère de deux enfants. Pourquoi ils font ça? Et l'argent qu'on fait? Et s'il n'y avait pas des gens qui sont venus m'aider, comment je devais faire? Pour ouvrir le restaurant, je devais jamais ouvrir ce restaurant. On est venu trouver ce restaurant, ce restaurant était ruiné. On ne pouvait même pas exercer. Déjà, on a fait 90 000 euros de travaux. Sans compter ça, on a encore fait des travaux, mais on est dans les 150 ou je sais pas combien de temps pour faire beaucoup de travaux. Et ils sont là à nuire les gens et tout. Voilà, donc on a des témoins qui sont là à faire beaucoup de choses, monsieur Verne. Oui, alors, c'est vrai, tout ce que vous avez vécu en France, alors, que pensez votre famille de tout ça? Bon, je pense que mon père et ma mère de là-haut, ils sont fiers de moi. Oui. Mais mon entourage est fier de moi. Mais moi, je n'accepterai jamais les choses des gens qui sont là à nuire le travail des gens. Hein. Regardez même, elle a contribué aussi. Hein. Elle a contribué aussi à aider la poétesse Nathier Briette. Hein. Hein. Donc, voilà. Barça, surprise a contribué un peu. Elle a dit que elle a vu que j'avais beaucoup de travaux. Elle a donné un peu de quelque chose. Mais je la remercie. Elle est la seule. Hein. Je la dis bien, elle est la seule. Les Congolais de Brazzaville. Les gens, quand ils voient les gens comme ça, ils pensent que non, tu as l'argent, mais tu as l'argent, tu peux arriver un peu. Il y a des moments, tu peux pas. Mais cette dame-là, là, elle a pris son courage, elle m'a vu travailler, bosser, elle veut que je travaille. Elle m'a dit, non, mais tu es ma soeur, tiens ça. Je dis bien au Congo Brazzaville. Elle est Congolaise de Brazzaville. Elle habite en France. La seule qui a à mettre au moins quelque chose pour que j'avance pour ouvrir le restaurant. Elle a participé à l'ouverture du restaurant. C'est un chapeau, c'est vraiment, hein. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont là. Hein? C'est pas facile. Ah oui, voilà. Même entre les noirs, c'est difficile. Hein? Oui, oui. Non, mais elle est quand même vraiment. Là elle est un peu éprouvée. Elle est éprouvée. Mais un jour, vous allez voir son vrai visage. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je la remercie pour son soutien. Et elle m'a vraiment aidée au moment que j'avais vraiment besoin. Et comme j'ai dit que les banques n'aident pas, et voilà, le restaurant offert, elle a participé. La seule Congolaise, il n'y a même pas eu un Congolais, la seule, elle est la seule et l'unique. Ah ouais. Et même il y a des gens qui disent que les Arabes, mais ce sont eux qui m'ont aidé. Hein? Pourquoi les gens aiment dire que les Arabes sont méchants, les Arabes, mais ce sont eux qui m'ont aidé, il y a Ramza. Ramza, je dis que je le remercie, parce que c'était aussi notre chauffeur de taxi, je ne sais pas qu'il était bailleur, il a investi pour que j'ouvre le restaurant. Hein? Donc voilà, donc il ne faut pas sous-estimer les races. Hein. Voilà, donc je remercie Ramza s'il écoute cette émission. Et il y aura un jour, je parlerai un peu plus parce qu'il a misé beaucoup d'argent pour que je vous le restaure. Ben oui, non, je comprends, c'est pas facile. On voit que vous... Et puis les gens qui m'ont aidé à ouvrir, c'est pas les Blancs. Hein. C'est pas les Français, les Gaulois qui m'ont aidé à ouvrir le restaurant. C'est les Arabes, c'est l'Afrique du Nord qui m'a aidé à ouvrir, qui m'ont investi. Mais alors, pourquoi on dit non, mais attendez, monsieur Verne, il y a de ces choses, je suis très en colère. Je comprends. Voilà, on va vous montrer aussi dehors, je vais fermer, voilà. Donc c'est ça. Et là, lorsqu'on ferme. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on a commencé petit à petit. Partout, il y a des chauffages. Hein. Il y a des chauffages. Et voilà. Voilà, là, on va essayer de sortir un peu dehors, là.
Voilà. Donc, comme vous le voyez là, ça c'est une route, Monsieur Verne, voilà. Voilà. Donc, comme il y a des gens qui passent, oui, non, ça a été toujours, oui, ça a été toujours comme ça chez Nathier, brouillé, et le drapeau, il reste seulement qu'on puisse mettre la lumière. Et voilà, les voisins qui me dérangent toujours, ils sont là, voilà. Et voilà, c'est ça. C'est vrai, on voit que franco-africain chez Nathier brouillé. Ouais, ouais, c'est ça. On voit tout ça. Oui. Alors. Pays, et ce nom se retrouve ici en plein cœur de Paris, oui. Donc c'est ma fierté. Hein, chez Nathier Brouillé, donc je peux que continuer avec Nathier Brouillé. En plus, c'est le nom d'enseigne. Le restaurant, c'est Israël Najma. Oui. Mais ça, c'est que le nom de l'enseigne. D'accord. Voilà. On voit ça, c'est vrai. Alors, comment vous sentez le fait d'investir, de créer quelque chose franco-africain? Vous donnez une valeur du Congo-Brazzaville? Non, mais pas que Congo-Brazzaville, monsieur Van, c'est pour tout le monde. Ah. Il y a l'Afrique et le monde entier, pas que Congo-Brazzaville. C'est pas Congo-Brazzaville qui m'a donné l'argent pour investir ici. Hein. Ah oui, moi de ce côté, je le dis clairement. Si c'était mon pays qui m'avait aidé un peu pour investir ici, je parlerais de Congo-Brazzaville. Moi, je parle de l'Afrique tout entière. Je ne peux pas me positionner, monsieur Verne. Là, il faut laisser que les gens écoutent ça. On est dans les pays étrangers, quand quelqu'un évolue comme ça. Et si nos présidents savaient que, non, il y a quelqu'un qui évolue comme ça, bon, dis donc, aidons la finance là. Non, non, on ne finance pas. Ils sont là, ils touchent leur argent là-bas. Et moi, mais ils ne nous aident pas. Et moi, ça, c'est ma propre sueur. Donc, on ne peut pas parler de Congo-Brazzaville, là. Ça, c'est ma sueur. On parlera de l'Afrique parce que c'est tous les Africains qui sont là. C'est tout le monde qui sont là et c'est ouvert à tout le monde. Voilà, donc voilà, c'est Congo Brazzaville. Mais je suis originaire de Congo Brazzaville, ça c'est sûr et net. D'accord. On voit tout ça, on voit que lorsqu'on voit tout ce que vous avez vécu, maintenant vous avez pu créer ça, vous avez beaucoup de choses à raconter dans un livre. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de choses à raporter. Beaucoup. Beaucoup de choses, même dans la chanson, beaucoup de choses. Même dans la musique. Monsieur Verne, comme j'avais dit, j'ai que peur de Dieu. Ça, ce n'est qu'un début du commencement. Et j'ai fait tout, je suis aux normes. Hein. Au nom, à 100%, qu'on me laisse, c'est que je demanderai qu'on me laisse travailler. Il y a le racisme en France. Il y a la corruption. Il y a la mafia dans beaucoup des endroits. Moi, je parle de ça parce que moi, j'ai vécu ça. Je parle seulement de ce que j'ai vécu. Je sais pas si ça, là, je parle seulement de ce que moi, j'ai vécu. Et de ce que moi, j'ai vécu, j'ai analysé trois choses. Corruption, mafia, raciste. Voilà. C'est ce que j'ai vécu, j'ai analysé pendant qu'on est en train de me nuire ici. En décembre, j'aurai un an. Et c'est ce que j'ai décrypté dans tout ce que j'ai eu à vivre. Je ne parle pas d'ailleurs, je parle de moi. Ça, c'est mon expérience. Faut pas que les gens puissent parler ça mal, que la poétesse a dit ceci, cela. Non, je parle de ce que moi j'ai vécu. Voilà. Et je dévoile ça. D'accord. C'est vrai, on sait que c'est pas facile. Qu'est-ce que vous souhaitez dire lorsque vous voyez. Il y a plein de gens qui souhaiteraient pouvoir travailler en France, investir. Mais monsieur Verne, ça c'est eux, peut-être qu'eux auront la chance. Ils auront la chance, moi c'est moi, regarde, je dérange tout le monde là. Hein? Lorsque j'étais fermé là, lorsque le service d'hygiène est venu, ils n'ont pas bien ciblé, regardez, un petit restaurant comme moi, toujours dérangé, toujours fermé. Alors que là-bas, on ne les dérange pas, ils sont toujours bien et faits. Donc, On ne les dérange pas les autres. Vous êtes toujours dérangé. Voilà. Hein? Voilà, mais pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Et quand ils sont venus pour la fermeture, les autres ont fait que 2 jours. Vous croyez que les travaux qu'ils m'ont fait, là, ils ont fait à eux? Si vous rentrez dans leur voiture. Et moi, un jour, j'écrirai à la préfecture pour qu'on puisse faire, comment on appelle ça, une enquête totale et globale. Moi, je ne lâcherai pas l'affaire. Hein? Là, je viens d'ouvrir, ça fait une semaine, et puis j'attendrai, comment on appelle ça, un huissier qui viendra faire le constat de tout ça et puis voilà, moi je lâcherai pas l'affaire, je veux la transparence, je veux la vérité, c'est pas tous les policiers qui sont pas bien, dans les policiers il y a police et police, c'est tout le monde, c'est pas tous les Français qui sont mauvais, hein, donc voilà, mais je suis seulement en train de crier haut et fort à des gens qui m'ennuient et comme je l'ai dit, j'insiste que l'ancien président qui va venir, qui puisse mettre l'arme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, pour que tout le monde vive en paix. Parce que ce que je parle là, c'est ce que j'ai vécu. Il peut venir vérifier ici, m'appeler au 06 41 11 34 96. Je répète bien 06 41 11 34 96. S'il veut bien des nouvelles, parce que je suis meurtrie, je suis j'étais pas bien. Ça m'a déstabilisé une partie de ma vie. Je ne pouvais même pas écrire, j'étais même pas concentrée, j'étais
j'étais pas bien, je pouvais pas chanter, je pouvais pas. Donc j'étais pas bien, voilà. Mais je me suis levée et puis pour faire quoi que ce soit, quoi. D'accord. Alors vous sentez vraiment que les gens, ils ont touché la personne. C'est vrai, et Nati est brouillée. Et il y a même des policiers qui m'ont dit que je suis têtue. Pourquoi? Parce que je suis têtue, parce que chaque fois qu'ils me convoquaient au commissariat, je venais toujours avec mon avocat. Moi, je leur ai dit, jamais je vais me laisser. Quand même, je suis une poétesse, hein. Je suis pas n'importe qui. Je suis née d'une famille de politiciens à Brazzaville. Moi, je suis bien née, je suis née dans une bonne famille. C'est parce qu'on habite en France qu'on va prendre tout le monde comme des gens qui sont là, quémander les gens. Eux aussi sont en Afrique. Il y a aussi des Français en Afrique, non? Alors, ils font quoi là-bas? Ils sont pas là pour l'argent? Donc quand on vient ici là, eux, ils veulent pas qu'on mange leur argent, ils aiment seulement manger l'argent des autres. Ils sont là à voler le pétrole, à voler le bois et tout. Quel est l'Africain qui parle là-bas là? Hein? Il y a que la corruption. Donc c'est les Européens qui ont amené la corruption en Afrique. C'est ce que je vois là. Mais attendez là, c'est quoi ça? Moi, avant qu'on parlait de ça, moi je croyais pas. Et maintenant que moi-même j'ai vécu ça, ah non. Là, il y a pas de doute. Il y a pas de doute. J'ai des preuves, j'ai des témoins. Voilà. Alors, c'est vrai, on veut dire, pour vous... Je resterai calme à parler cela quand la police des polices fera l'enquête chez les policiers. Mais je ne sais pas si un jour ça se fera, je ne sais pas. Mais ça sera mon souhait. Si, non, mais ne vous en faites pas le fait que vous nous dites ça. Mes enfants sont nés en France, mes enfants sont français. Et moi, je travaille. On vient de la précarité, hein, je peux le dire. Hein. Lorsqu'on vient de la précarité, la musique ne paye pas, l'écriture ne paye pas. Et on se cherche. Et on investit, c'est même pas la banque depuis qu'on est ici. Hein? Alors on est déjà dans les 180 000 euros sans banque. Alors les gens vont dire, mais oui, au total, si on commence de là où on a commencé les travaux, et les travaux, on est dans les 180 000 euros, tu peux faire beaucoup de choses. Oui. Mais alors, et puis c'est pas la banque qui a investi. Alors vous croyez que c'est quoi ça? On comprend, c'est vrai tout ça, on tient à vous solliciter, parce que quand même vous avez du courage, c'est vrai de ne pas baisser. Monsieur Verne, eh, ça, ce n'est que, ça veut dire ce qu'on vient de faire, c'est comme un résumé. On fera une émission avec des preuves. Oui. D'ailleurs, de tous ceux qui sont venus me nuire ici, là, hein, ils sont venus voler mon congélateur que j'ai porté plainte. Oui. Et il y a certaines personnes qui commencent à dire, Nati porte plainte et tout, moi j'ai des preuves. Ce que je demanderais, monsieur Verne, mettez-moi la caméra, ce que je dirais, est que lorsqu'on est venu en France, on n'est pas venu en France pour quémander. On est venu en France pour se chercher. Et lorsque les gens comme nous, une poétesse, écrivain, chanteuse, on essaie d'investir en France. J'ai recruté des gens, j'ai donné du travail aux gens. On ne cesse de me nuire ici par la police depuis que je suis ici, depuis 2015. Ils ont même envoyé des courriers de fermeture à quai de Sèvres. J'étais fermée, hein. Hein, toute une semaine après cet exercice, c'est entre eux la police. Ils avaient fermé ça. Et là maintenant, des travaux. Au total, depuis que je suis ici, c'était défectueux, pour les gens qui savent ça. Hein, défectueux et tout, donc nous on a eu à faire des travaux, qu'on me laisse tranquille, parce que j'ai compris le jeu ici là. Il y a la mafia, il y a la corruption, il y a le raciste. Donc je suis contre ça, qu'on me laisse tranquille. Et j'ai fait tous les travaux qu'on m'a imposés. J'ai dépensé beaucoup d'argent, sans l'aide de la banque, sans l'aide d'une association, sans l'aide de quoi que ce soit, qu'on me laisse tranquille travailler, parce que j'ai des témoins. Et je souhaiterais seulement qu'on puisse faire une enquête générale pour beaucoup de choses qui se passent ici, voilà. Et je dirais vive la France. Et avant de dire ça, je dirais qu'au prochain président, je souhaiterais qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans les commissariats, et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans les services, tous les services, disons, plus la police, hein. Parce que là, je sais ce qui se passe maintenant. J'ai compris maintenant le jeu. Hein? Et pas qu'on dit que la politesse Nati Ebrouyé n'aime pas la police, j'aime bien, mais c'est pas tout le monde qui sont dans le jeu, mais je souhaite qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et voilà, vive la France, et voilà. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, monsieur Verne. C'est un plaisir pour nous de voir que vous n'avez pas baissé le bras. Après un an, vous avez subi beaucoup d'échecs, beaucoup de problèmes. Vous avez pris votre décision de continuer. On comprend tout ça. Vous avez pris, mais pourquoi vous avez pris la décision de continuer? Mais monsieur Verne, on a investi. On a investi pour créer une société. Mais on vient de la précarité aussi. Je fais partie aussi des gens qui font de la précarité. Mais on vient de créer... Ça fait plaisir que tout le monde va à Pôle emploi pour commander. Ça fait plaisir que les gens touchent les RSA. Au moins une femme comme moi, comme ça, j'ai créé une société. J'ai recruté les gens.
Hein? Et on investit, alors on est fier. On ne peut pas seulement attendre que la France aide. Hein? Ah ben oui, c'est ça notre but. On investit notre argent, ça ne vient pas d'un crédit d'une banque quelconque. Moi, je suis à la banque LCL, ma banque peut témoigner, jamais ils nous ont donné même un centime. Et c'est les particuliers, comme je dis, jamais j'accepterai que quelqu'un parle encore du mal d'un arabe, parce que ce sont eux qui m'ont aidé à pour que ce restaurant vive. Voilà, Ramza, je te remercie, tu as beaucoup investi et je te remercie beaucoup. Et je sais pas, tu es quelqu'un d'unique. Et je souhaiterais même un jour que ce Ramza, s'il souhaite passer à la télé, qu'il passe, parce que c'est grâce à lui que le restaurant de Nathier Brié, et il y a aussi Mohamed, hein, il y a aussi Mohamed, il y a aussi quelques gens qui m'ont aidé pour que vive ce restaurant aussi. Et vous aussi, Monsieur Verne, hein, parce que la télé, Clin d'œil Télévision, vous êtes là à nous soutenir, voilà. Voilà. On mettra tous les gens au courant, comme ça pour qu'ils puissent comprendre que, et comment les choses se passent pour quelqu'un qui sait travailler bien pour s'investir. Ok. Alors, merci, merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. Ouh là là. Ah oui. J'ai sorti un peu. Non, mais c'était trop. Oui. Merci. Oui. Bien. Quoi? Je suis là, là. Oh, mon ami, dit. Oh. Là, c'est Philippe. Aïe, mon ami, Philippe. Oui, oui. Non, en fait, que vous avez compris que voilà ce que c'est, ce que Potestati avait sur son cœur, ce qui s'est passé vraiment. Elle a tout expliqué, elle a dit la vérité, les choses, ce qui se passe. Vraiment, comme c'est pas, elle a rien contre les gens, elle a rien contre la France, elle a rien contre personne, mais seulement elle voulait expliquer aux gens, faire savoir qu'elle a toujours voulu investir en France. Eh bien, elle a vécu. Elle a vécu depuis un an. Eh bien, voilà ce qui se passe en ce moment. C'est très difficile. Vous voyez, c'est quelqu'un de joyeux. C'est quelqu'un de gai. Eh bien, et voilà. Et c'est une patronne qui vit simplement. Voilà. À tous, bientôt. Voilà. Et lui aussi. Merci, mon amour. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je pense que vous avez compris. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup.